en accord avec les acteurs locaux, on va effectivement défricher sur une bande d'une largeur de 6 mètres de large dans la forêt de Cabreton. Mais cette bande s'inscrit dans ce qu'on appelle un emplacement réservé pour un futur contournement routier de Cabreton qui n'a donc pas vocation à rester boisé. Cette bande qui va être défrichée est par ailleurs constituée majoritairement de pins d'exploitation qui de toute façon un jour ou l'autre seront coupés. Notre projet aura des effets très limités sur la circulation routière puisque nous allons éviter les périodes estivales. Et par ailleurs, nous mettrons en place des mesures pour minimiser la gêne telles que la mise en place de circulations alternées ou des travaux de nuit. Les plages et les dunes ne seront pas tranchées. Elles seront franchies à l'aide d'un micro-tunnel qui va passer à près de 10 mètres de profondeur et ressortir à 1 km en mer. Il n'y aura donc aucun impact ni sur les plages, ni sur l'espace dunaire, ni sur la formation des vagues.